Rupert Murdoch est retourné aux États-Unis où il doit affronter les suites du scandale des écoutes téléphoniques. Le FBI mène une enquête réclamée par des élus américains. Certains se disent inquiets à l'idée que des victimes des attentats du 11 septembre aient été mis illégalement sous écoute. Le patron de News Corporation a affirmé mardi devant des députés britanniques qu'il n'existait absolument aucune preuve de ces allégations. La branche australienne de News Corporation n'est pas épargnée. Elle va devoir également répondre à des questions difficiles, a prévenu hier le Premier ministre australien.